Écoutez, c'est le ramadan, vous pouvez un peu diminuer de la nourriture, vous diminuez de le prix. Parce que tout le monde qui n'a pas les moyens pour acheter des sacs de riz, parce que voilà, les sacs de la Guinée, vraiment c'est très cher. Les poissons, et on a des bateaux, on a des pirogues, on a des bateaux, les pays. Donc aussi, les poissons c'est très cher et ça c'est pas bon pour les pays. Et pourtant, on a de la mer. On a de la mer, grand-mère, on a beaucoup de poissons chez nous. Donc aussi, un magasin, marché, c'est très cher des poissons, c'est très cher de nourriture. Ça, c'est pas bon pour le ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire le ramadan, normalement, pour les musulmans? Les Guinée-Conakry, drapeau rouge, jaune, vert. Qu'est-ce que ça veut dire ramadan? Les commerçants, je parle avec vous. Quand j'ai fini, je parle sous-sous, un peu. Donc, c'est ça, Mamadi Doumbouya, quand tu me vois aujourd'hui, je suis devant l'écran. Essaye de contrôler le pays un petit peu, Mamadi Doumbouya. Et essaye de contrôler le commerce un peu, Mamadi Doumbouya. Tu vois, non? Mamadi Doumbouya, c'est pas tout le monde qui a les moyens, les pays. Tu connais, c'est les pays pauvres. Toi, tu connais déjà. Parce que ta maman, elle est là-bas. Ta famille, elle est là-bas. Mais ta famille, c'est qui? C'est le peuple des Guinéens. Peuple des Guinéens. Peuple des Guinéens. Mamadi Doumbouya. Tu veux devenir le président aujourd'hui, le pays? Tu es devenu le président parce que le peuple qui te tape les mains. Le peuple qui t'aime à toi, peuple qui veut de toi, fais comme ça. Donc, essayez de contrôler un peu, Mamadi Doumbouya. Tu vois, non? Essayez de contrôler les commerçants. Essayez de contrôler. On est des Ramadan. C'est des Ramadan, c'est pas des Yaramanaman. C'est des Ramadan, on appelle des musulmans pitiables, gentillesa. Comment dire? Tu es gentil. Tu as pitié. C'est ça qu'on appelle Ramadan. Mais si le ramadan est devenu coûte cher, nourriture chère, et peuple, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et qui a les moyens, je ne parle pas de eux, parce qu'ils sont moyens. Et les moyens qui peuvent acheter des 3, 4, 5 des sacs de riz, ils sont les moyens. Donc, et qui n'a pas les moyens, c'est eux qui je parle, Mamadi Doumbouya. Tu me comprends un peu, Mamadi Doumbouya? Je pensais, si tu n'es pas tout de suite dans mon écran, et je pense et qui soit autour de toi, et qui est à côté de toi, Mamadi Doumbouya, et qui est à côté de toi, faut essayer de parler, et il va parler avec toi, mais ils ne parlent pas. Et ils sont là pour leur intérêt. Et ils sont là, les intérêts. Et qui est à côté de toi, Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas bons. Faut beaucoup attention, Mamadi Doumbouya. Je suis là, je te parle encore. Même je suis fâché un peu de toi, mais maintenant, les fâches, je m'en fous. Parce que c'est pas toi qui me nourris, Mamadi Doumbouya. C'est pas toi qui me payes de mon maison, Mamadi Doumbouya. C'est pas toi, tu me connais pas même pas. Mais moi, je te connais, Mamadi Doumbouya. Et tu me connais aussi, Mamadi Doumbouya. Tu me comprends un peu? Donc, je suis là pour te parler. Je sais pas que je suis là. J'ai demandé, Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, aidez-moi à m'entourer. Non, je n'ai pas besoin, tu m'aides. Si tu aides les peuples de Guinée, ça m'a fait plaisir, Mamadi Doumbouya. Les pauvres des pays, pauvres les peuples, si tu aides les pays, Mamadi Doumbouya, je suis très content de toi, je suis content de toi vraiment. Est-ce que tu me comprends? Je n'aime pas de parler ton nom même, mais je parle à cause du peuple parce que aujourd'hui, tu es là. Tu es là aujourd'hui. Donc, notre père, Alpha Condé, avant, c'est lui qui est là. Maintenant, il n'est plus là maintenant. C'est toi qui es là maintenant. Donc, si tu es là, tu es venu des zéro et des sauges, comme tu as dit avant. Mais moi, je te connais déjà. Toi, ton idée pourrie dans ta tête là, qui n'est pas bien du tout, du tout. Et à côté de toi, et aussi qu'il met des feux derrière. Tu vois, Mamadi Doumbouya, tu es venu organiser beaucoup de choses, le pays. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là maintenant. Tu as une autre tête maintenant, tu as un autre monde maintenant, Mamadi Doumbouya. Ah, ça, c'est pas bien, Mamadi Doumbouya. Tu me comprends un peu? Mamadi Doumbouya, réfléchis un peu. Il y a les enfants, le pays. Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup de. Tu as grand-mère, ils sont là. Ton grand-père, ils sont là. Les peuples guinéens, ils sont là. Regardez les commerçants. Parce que les commerçants, ils ne comprennent rien. Et ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Et leur tête, c'est des Yaramanaman. Tu as compris, Mamadi Doumbouya? Et qui est à côté de toi, ils ne donnent pas bon conseil à toi, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, et qui est à côté de toi, ils ne donnent pas bon conseil. Et à l'heure là, ils sont à côté de toi comme les chats. Ils sont à côté de toi comme des chiens. Ils sont à côté de toi comme vraiment comme une mauvais. Mais le jour. Quelque chose, il arrive, Mamadi Doumbouya. Tu veux voir, premier d'abord, c'est qu'il est Yaramanaman, c'est qu'il est mauvais derrière à toi. Je te parle, Mamadi Doumbouya. Ton royaume, il te parle, Matouri. La reine de Guinée-Conakry.
C'est elle qui est devant vous comme ça. Je te parle, Mamadi Doumbouya. Faut essayer de contrôler. Essayer de contrôler les commerçants. Essayer de contrôler le pays un petit peu, Mamadi Doumbouya. C'est important pour toi. C'est important parce que si Ramadan, il arrive, il n'y a pas de nourriture. Les gens, ils sont pleurs. Les poissons, c'est très cher. Mais Mamadi Doumbouya, qui tu es exactement le pays? Je veux savoir. Qui tu es exactement le pays? Tu es venu, on tape les mains pour toi. On tape, le peuple tape les mains pour toi. Merci, ça a quelque chose. Parce qu'on dit, début, Alpha Condé n'est pas bon. Alpha Condé, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais vraiment, Mamadi Doumbouya, toi, tu es plus pur de Alpha Condé. Toi, tu es plus pur de mère. Depuis le début, j'ai déjà dit des peuples guinéens. J'ai dit, quelqu'un qui viendrait, lui ne parle pas de. Lui ne dit rien de. Lui, c'est dur. Tête dure comme Wurumi. Tête dure comme Pinga. J'ai dit, il ne comprend pas de. Comme vous dites aujourd'hui, Papa Alpha Condé n'est pas bon. Mais un autre qui viendrait, parce que c'est un groupe, c'est une association. L'association-là, le Guinéen peuple, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. C'est une association grave le pays. C'est une association qui. Manipulation des peuples. Vous ne comprenez rien. Mamadi Doumbouya, écoute-moi bien. Je parle sérieusement avec toi aujourd'hui. Essaye de contrôler ton peuple. Essaye de contrôler la nourriture. On est des Ramadan, Mamadi Doumbouya. Ramadan, et qui est à côté de toi, quand elle va manger bien, elle va faire péter de leur cul, elles sont heureuses. Mais c'est toi, Mamadi Doumbouya, un jour devant de Dieu. Un jour devant de Dieu, des jugements de Dieu. Donc, essayez de contrôler qu'est-ce que Dieu te donnerait. Essayez de contrôler ça, les pays, Mamadi Doumbouya. C'est important pour toi. C'est important un jour. Personne ne va rester sur terre là, Mamadi Doumbouya. C'est ça que je vais te dire. Les jours que tu es sur Dieu, dans l'écran, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que tu veux rencontrer les jours là? Devant de Dieu, Mamadi Doumbouya. Parce que Dieu te demanderait, Mamadi Doumbouya, je te donne une mission. Désirer le pays là, le Guinée-Conakry, drapeau rouge, zone vert. Qu'est-ce que tu as fait, Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que tu veux dire les jours devant Dieu, Mamadi Doumbouya? Tu ne peux pas parler parce que tu as devenu une autre tête. Déjà, depuis le départ, déjà. Moi, je connais. Et qui n'a pas compris qui tu es et qui sont bêtes. Et qui n'a pas compris qui tu es, Mamadi Doumbouya, et qui sont malades. Donc, Mamadi Doumbouya, un jour, tu reviendras sur Dieu, les mains de Dieu. Mamadi Doumbouya, un jour, tu viendras des tables de Dieu. Mamadi Doumbouya, un jour, tu reviens devant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire le jour de Dieu? Comment tu as géré ton peuple, Mamadi Doumbouya? Et qui est à côté de toi? Ils sont Djahamanaman. Ils sont complètement Djahamanaman parce qu'ils ne pitiaient pas. Et ton fou. Et ton fou. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, eux? Bon, bien pour eux. Bien pour eux. Et ils sont là. Mais c'est toi qui te gères aujourd'hui des peuples des pays. Donc, essayez de contrôler Mamadi Doumbouya. Parce que quand le poisson est très cher marché, nourriture est le cher marché, c'est pas normal, Mamadi Doumbouya. Toi, tu veux dire, tu veux parler des peuples. Tu dis, écoute, normalement, parce que des riz, ça quittait de où? Chine? Basmati, ça quittait où? C'est pas Chine? Notre nourriture, ça quitte où? On n'a plus de nourriture chez nous. On n'a pas de nourriture chez nous. Nous, on ne peut pas construire des riz. On ne peut pas faire de nourriture, beaucoup de nourriture chez nous. Non. Tout ça quittait Taïwan, Chine, Bangladesh, tout ça quitté là-bas. Donc, si ça, tout ça quitté des riz, les trop étrangers. Mais je pensais que les poissons ils ne quittaient pas étrangers, ils quittaient les pays. Donc, Mamadi Doumbouya, tu es là, ça veut dire quoi, président? Mamadi Doumbouya, je vais se connaître. Parce que quand il dit le président, ça veut dire quoi, président Mamadi Doumbouya? On appelle président quelqu'un qui il peut gérer les peuples. Président, quelqu'un qui pitié les peuples. Président,
quelqu'un qui il est honnêtement, directement honnête des peuples. C'est ça qu'on appelle président. Mais président voleur, ça c'est pas bien. Président malhonnête, ça c'est pas bon. Aujourd'hui tu es sur terre, mais un jour tu vas mourir. Et tu mettrais sur le cimetière tes diamants, tes or, tes de quoi sur terre. Un jour, une grande maison, tout le monde y va partir là-bas. La maison là, c'est ça qu'on a. On fait des trous, on met dedans pour que ton odeur, il ne peut pas sentir les gens. On met sur terre sur toi. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que tu veux rencontrer un jour devant de Dieu, Mamadi Doumbouya? Je ne parle pas de ton mort, mais tu veux mourir un jour, Mamadi Doumbouya. Si tu es mauvais, Mamadi Doumbouya, ça va chauffer, oh, Mamadi Doumbouya. Donc, c'est ça. Je suis des petites lettres pour toi, Mamadi Doumbouya. Et qui va aller parler de à gauche, à droite? Écoutez bien, je n'ai pas dit que Mamadi Doumbouya va mourir demain. Mais Mamadi Doumbouya, tu veux mourir. Comme tout le monde. Donc, j'ai vu deux corps, la mort. Des hommes, la mort. Donc, Mamadi Doumbouya, essaye de contrôler ton pays. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est moi qui est venu de parler ton nom. Ce n'est pas ton nom, excusez-moi. Ton nom, je n'ai pas dit ton nom. Mais je t'ai indiqué comment tu es. Donc aujourd'hui, je suis l'écran encore parler la mort des hommes qui vont mourir. Donc, je vais vous l'amener le message à Mamadi Doumbouya. Elle va écouter le message là. Donc, si tu me vois aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, j'ai parlé ton nom le matin. Je parlerai vraiment, c'est de Ramadan maintenant. Essaye de contrôler pour que Dieu te pitié, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, tu es grand, tu es costaud, tu es beau, tu es l'argent, tu es le pays, tu es géré pays. Mais Mamadi Doumbouya, ça finit pas là-bas. C'est quelque chose qui arrive grave, Mamadi Doumbouya. Essayez de pitié le pays, Mamadi Doumbouya. Essayez de contrôler le pays. Moi, je ne suis pas venu d'ici pour t'insulter. Et qui t'insulte aussi, je vais parler de eux et il n'a pas de boulot. Et il n'a pas de boulot pour insulter Mamadi Doumbouya. On insulte, moi, je n'insulte pas Mamadi Doumbouya. Si je vais insulter Mamadi Doumbouya, je demande à Ndalmar, c'est lui qui va insulter Mamadi Doumbouya. Mais et qui fait monter là en direct pour insulter Mamadi Doumbouya, arrêtez de faire ça aussi. Je parle de vous aussi. Quand Papa Alpha Condé est venu, tout de mauvais des choses, vous insultez le vieux là, vous la parlez mal le vieux là, beaucoup de choses, ça c'est pas bien. Donc, et qu'il fait insulter le président, parler n'importe quoi. Arrêtez, s'il vous plaît, parce que ça, c'est pas bien. Vous laissez Mamadi Doumbouya, Dieu va insulter Mamadi Doumbouya, parce qu'il est venu à son boulot, mais Mamadi Doumbouya ne fait pas plus à son boulot maintenant. Mais j'ai déjà dit, déjà, depuis le départ. J'ai dit, ah, un monsieur qui vient comme ça, grand, tel noir, comme un Sénégalaise. C'est pas grand, grand, et c'est pas court aussi. Mais il ne parle pas de. Comme vous l'a dit, maman, vous l'a dit, papa, Alpha Condé n'est pas bon. Mais une autre qui viendrait, ça c'est grave. Plus dur. Parce que lui, il n'entend pas. Il n'écoute pas. Quand il a descendu à son paquet de son trou, c'est déjà le monde. Tout le peuple pour lui maintenant, c'est un autre monde. Tu veux me comprendre? Mais après, quand j'ai parlé de temps, ils se sont dit, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que Matrou il a pris? Oui. J'ai pris comme Mamadi Doumbouya. On est même saché, moi avec Mamadi Doumbouya.
Il connaît, je connais. Donc, Mamadi Doumbouya, je suis là aujourd'hui pour te parler un petit peu. Et puis, la Guinée Kébé, la Guinée commercée, Wondeba Yagamana Kirara. Nare na Makiti Kirara. Parce que maintenant, à Colombana, il te fait une famille de Yaramana Kirara. Au bord de Romakti, oui, Sari Roro, one si, Sari Roro, si, Sarati, à nous connaître Bidinga, moi, mon abidingabe. Connaître Bangladesh, Nanato, et à son mari, depuis son mari, et que Moudos et Satin de Kurani, Irado. N'a Bangladesh, à connaître tout. Bangladesh na Conakry tout, quand il va du ménage de moyens de carrément carrément à mon âme. Bangladesh na Conakry tout, et mon quel me remet et mon quel me remet de loyer face au moribond et faire une Bangladesh. Bangladesh na Conakry tout, et mon quel me fait quoi bien là-bas de face au moribond il allait face il va faire quoi bien là-bas. Donc, à quoi verve Sungwari, on a fait mon dénon qui bat. Kao, Sundonina, na Sungwarira. Nani Gena, na Sungwaria. Nde fala me sunni, me mona sunni. E fala, et la montagne na sunni. Menekele, so dungwira, et le soir à Bangako, yébébémi, et dégé, et l'ouga pempeté, et me l'aide de Ronmakinamatagi, et fala na sunni. Sous l'air, rafoul l'air inali, et masque de Ronyamad Lungura. Eme dege kono fala limana tina yagama na kila homa ena ka fe fala depuis anna ka demu na kantu yara kono sumwari tan la gina di nga fala wo birimbe la gina popula nyama birimbe parce na kulo ngura mafia kwa so bilindoga tulu matirana yugende na woyira wo banama. Fendi na wogira wo banama. Sungwari na le wo bazan tungwara guruma. Wo ngur tungwara kre wogonye. Me wo feko bina mbila bako de pinya yiri. Wo ba nema ta mbirma. Gige kere mkwi fa. E na kakafa yunu mbi kama. Gige kere mkwi. Me na yunu mbi ta mkama di. Mbarge mamadi dumbu ya gawa nyi kamfala di. Na kaya na seti mama madi dumbu ya seti mwosika sa kontrol jenda nga mama madi dumbu ya maina kama maturu mbara afala di anagaiki mbara afala saya na mfafi yiki fagafiri kamefiri na mfafi fagadi yiki natoku nato ndala marigin sallallahu alayhi wa sallama ala sama sembe na kama firi nginsi kansa ti umma gaburi neto gaburi firi mbiri ngiri danko. Ndeki mwe mbili fala mama fwe. Makamena kansikaka ala malaki ndala mariki masala la wale usalama. Makamena mafutikame natune ala masimba jira wa rasuli. Beno nga vientu nga guru kona kri natune. Asaka mwe kome ilara mini fikwengi. Nga uruntu nga sika nga kulu nga mena karele. Ataka kamena kamina nga mbele ataka nsukunta gima muti nga sefuri tu. Menatune ala masimba natu asaka mwe kome. Makambi bili rabi, nato asaka sakateli koma, kami koma, jugu figa na guru kama, bazem figa na ma, asaka mwe koma, bambala asaka mwe koma, ye kani fi. Nga bine nga sato, kame naka mine ntake, mama leke naka mine, naka nsukun tagima, naka nagbili, anaka mafuru kwa mute nga yi furu yitu asika fi, furu yi naka nsika fi, paska kwa nsika naka atunu, atanu ntana nsika fi gaburi kuni, kere na paska malu balu fefa ma, ye kaka nilu. Mendal maleke na kama suru na kama na kama kanga muto ngaji ngama kama furu tu asigafi. Mena tone na tone dal marika masimbe nuule fala fale muto rintoreke na kuhye bati na kheri na kama furu tu na saka mugi kumi kanifi ala masimbe dal mariki. Kote ba naka afalabe, naka mbara furuitu. Anaka ya tukudi.
nga expliqué abe ana kelungoma la siga kanda asa do kona ku amuti sono nga khiye baba bara kulun fambara gato diats donc dunya ma ala birinda ki kere mara mbara fala la gina kebato mbara fureto kona e fureta gita makora wonade la gina rago kama faqe kama firin ga faqe kona kama la maymuna ay khamira de donc on fana nan tum falade la gina nyamabe gawonto be gisun wor be lila on fana nan falade ube bazan sougal mumma ngay mo bazema men nas sougna le ko rak bilim fo ray sun wori bela waba fende fal fen gambara khar gas ga ma tanja ga mana te gore gas ga yamana ya ga mana te gore me ga ne mun tan khlima e pi ga len sile pu sunna ammi ga kira na sa sun wori bilim fata gbira mbazan sougu dal ko ngawo wona di akhir nyaqi ba may sar ko bilen tan fogora mu ko bitima bazan wale munan tam bazan kaya munan ma men mbazan sougu na tum alako tum mafani be men gira min mi khabire ku yi mu foto na kan sar daniere pa yan fa na ki ne fa wo kata woni amun tam may soir ma labe nabe galen sir pusuna sungore be ga fer ma ra labe woni amun wa wona kan kana wona kan jay suri wona kata wona wona yulu bi kha wo gulen tam fora woni amun ma bazan no wa sofia kwa na fola kwa madan de soma ikram ni sunna min nasu tu ni so tu ni min nasu me ma fer mu na bazan na donc on a sur une toile que tu aurais même monté à mes soirs. Donc on fait un enfant de l'homme. Qui sont les gens qui ont été en train de faire, il faut beaucoup attention. Je suis en train de faire un enfant de l'homme qui a été en train de faire. Photo d'endroit de Rafira, Mbara Wende, mais Nawa Mumbar, mais Rafana, what a minibira, alokutum, Norera Bama, Tama Ferme, maintenant, Wal Tina Gessa Gadere, Namasilp Soudente, Internet, parce que Mosasari Babara Tandima, Masari Babara Banguki, Masari Babara Soloma, Nasar par international, Nasar Internet Nama. Donc, on rasgara téléphone à Bi, et n'a pas sa photo tout. Mais il n'y a pas de mal à ce que je suis allé à la maison. 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 Je suis ala galo gona na sungori da donc ala galo goto na sungori na ki o kata wonde ba sarira wonde ba dosi sarira wonde ba se sarira nana annana to mandal margi ga aryanna o ga aryanna kirara da tan sungori beli ku c'est pas tout le monde qui les moyens bin nga mo se muna bin nga yida mbaran kalen kal se ma alara non dal marigi te ko na kri bang den dina na depuis son wor ki ken gati de bayam ko ma son wor ti ma en rando ma karkan karkatani ndi bang nde ko na kri tu nun ka sangen non dal marigi te nun ya rasul men gata ge nyaye ri ke e butunde do ko gatunde e mutunde do ko fe do ko bore ni senyi ene ki na bang de na 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 sagatali na 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 ke fe ma ke ve geso anu ma de me de ge ma ko do ngi den da khe fe bore ene kini kini men se de ge bore gonyi donc aura Ariana qui kebarali aura Ariana qui kebarali wona dara bikere na lokob woga no sore giar yanna kuyi na farfe la Guinée populaire lambago
wonde ba makiti sarira wonde ba male sarira wonde ba yaghe sarira wonde ba dunyi sarira ala ko gariana ariana kira rabbi parce que bo sum fe namma wo sal fe namma au donc fe na ka mu fa woné kira rabbi wona na de rabbi makiti sare mu gorgoma yaghe sare mu gorgoma dunyi sare mu gorgoma bokhi be ala ko ariana kira rabbi quand on dit ramadan c'est le ramadan des portes de Dieu. Parce que c'est ça des musulmans ont prié. C'est ça des musulmans ont mis les genoux de Dieu, Ramadan. Donc aussi, on a mis des genoux, on prié. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va ouvrir les portes d'Ariana sur Dieu. On va calmer des magasins. Magasin n'est pas droit de chair. Nourriture n'est pas droit cher. Marché n'est pas droit cher. Donc la porte de un an, un mois, la, une porte, c'est ça qu'on appelle l'Ariana. Donc on est ouvri de la porte, on ouvre. C'est pas ça. Des Makkah ont prié, des musulmans ont prié, arabes ont prié. Mais après prière, quand ça finit, on met des balles sur notre tête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la porte d'Ariana sur Dieu pour vous que le gros porte là. Parce que c'est ça qu'on priait. C'est ça qu'on fait des musulmans. On fait des prières pour vous que la porte Dieu porte Ariana ouvert les peuples. C'est pas ça? Alors, essayez de contrôler les peuples. Les peuples monde. Et qui sont tous à Ramadan. On essaye d'ouvrir pour vous que. La porte de Dieu va ouvrir. C'est pas ça? Donc c'est ça. Mais si un Ramadan, nourriture très chère. Ramadan, parce que c'est pas la Guinée, hein? Je pense que tous les pays, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, de quoi et quoi, l'Afrique, tous les musulmans, quel pays? Si la nourriture, il est très cher, marché cher, c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de payer de 50 000 francs, sinon 100 000 francs, sinon 200 000 francs, sinon 100 euros, sinon 200 euros, sinon 50 euros, sinon 20 euros, sinon 30 euros. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc on fait de quoi à Ramadan? À Ramadan c'est quoi? C'est la porte de Dieu, non? Alors pourquoi on ne peut pas pratiquer le ça? Ouvrez la porte, les peuples. C'est pas ça? On ferme notre bouche. Et quand tu es allé, toi tu connais, tu es Ramadan, et tu as été par internet, aller regarder le quelqu'un son fesse, sinon aller regarder à quelqu'un son cul, sinon tu allais regarder à quelqu'un son tété, et puis toi tu dis ouais, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais c'est quoi ça, Allah Akbar? Quand tu es Ramadan, tu fermes ton sexe. Quand tu es Ramadan, tu fermes ta bouche, sale bouche. Quand tu es Ramadan, tu fermes tout ce que tu regardes les yeux là. Tu fermes tout. Tu fais de zéro un mois complet. Tu ne regardes pas, tu ne parles pas, tu dis rien. Tu es là pour que tu la porte de Dieu, tu rentres dans son porte. Qu'est-ce que vous la fabriquez sur terre? C'est pas ça? Alors écoutez-moi bien. Je suis là de parler un peu de choses. À bientôt, je vais arrêter. Et qui sont dit, hier, parce que j'ai mis une photo par internet, mais je n'ai pas tapé de quelqu'un à son porte, j'ai mis mon photo dans ton porte. Je n'ai pas tapé de quelqu'un à son maison, j'ai mis, si tu es allé ouvrir mon Facebook, ma santé, je t'ai allé regarder et tu vois de quelqu'un à son là-bas, c'est ton problème. C'est pas mon problème de ça, même Dieu n'est pas d'accord. Et puis quand tu déconnes, tu veux mourir la fin de Ramadan. Je vais mettre des culottes, c'est mon problème. Je vais mettre des slips, c'est mon problème. Je vais mettre quoi? C'est moi mon problème, parce que le jour que je mourirai, je vais aller au cimetière seul, je n'amène pas quelqu'un avec moi. Donc si tu es musulman,
Tu es de quoi et quoi ton micmac là? Zéro ton micmac à ton monde. Tu essayes de te zérer ton musulman. Tu essayes de zérer à ton religion avec la porte qui tu attendras. Dieu va ouvrir parce que tu dis Ariana, tu veux rentrer de Ariana. Attends, c'est mon cul, sinon c'est mon nuit. Dieu va te attendre la porte là, Ariana. Dieu va attendre nous tous sur terre. N'importe quoi. Quand tu allais regarder le magasin, nourriture chère. Quand tu as regardé les enfants, ils pleurent. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de manger. Ils sont là comme ça, dit ouais, on fait des prières le Ramadan. C'est mon Ramadan, c'est mon cul. C'est Ramadan, c'est mon nœud. Fais le Ramadan, tu fermes ta bouche. Fais le Ramadan, tu fermes ton sexe. Fais le Ramadan, tu fermes les yeux. Arrêtez de critiquer, arrêtez de parler les gens. Et regardez les magasins, et qui sont là, ils font des vendus avec des roues. Tu fais passer toute la journée, crash, crash, crash. Et tu es là, ton nourriture très chère. Le peuple vient, et puis toi tu es là, tu vendis une poisson, et puis tu es là. Tu crasses gauche à droite, tu crasses par là, tu crasses par là, tu crasses par là. Et tu es là, Dieu te regarde. Je t'attends. À bientôt, tu vas me trouver à moi. C'est pas ça? Après, tu dis, Allah Akbar. Quel Allah Akbar? Tu as déjà ton cœur sale pourri. Ta bouche sale pourri. Ton regard même sale pourri. Ta tête de ce cimetière, t'es tout le monde, la terre. Même moi qui parle comme ça, regarde ma tête là. Quand j'ai regardé ma tête là-bas, je vois des roches. Tu vois? Je regarde des roches. Je vois des fantômes. Je regarde comme ça. Comme je regarde toute la nuit les fantômes. Je regarde les cimetières. Je regarde le monde. Le monde est mort. Pleurer, la terre. L'eau est montée. Pleurer. Le monde est fini. La terre est finie. Animal sauvage, nous tous sur terre. Après, tu veux dire Allah Akbar. Tu veux dire ouais. Moi, je suis approche de Dieu. C'est mon nez, sinon c'est mon cul. Alors, c'est mieux, il faut manger bien. Tu veux faire ton danse, tu veux faire. Après, quand tu es allé chez Dieu, tu vas aller ramadan là-bas. Tu vas aller chez Dieu, tu vas aller prier là-bas. C'est mieux. Mais la terre là, tu laisses tomber des prières, laisse tomber des micmacs, la gauche à droite, laisse tomber. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu pries, tu ne pries pas. Quand tu es allé chez Dieu, tu parles arabe, obligatoire. C'est pas les Arabes qui est ici, hein. C'est Arabes chez Dieu. Mais ça, c'est tout le monde. Tous la terre. Tu parles la langue qu'on parle comme ça, c'est pas les langues là. Tu parles les Malikais, c'est pas les langues là. Tu parles les Français, c'est pas les langues là. Tu parles les Peuls, c'est pas les langues là. Tu parles les Soussous, c'est pas les langues là. Tu parles les Français, c'est pas les langues là. Tu parles l'anglais, c'est pas les langues là. Tu parles l'espagnol, c'est pas les langues là. Tu parles l'italien, c'est pas les langues là. Tu parles le Venezuela, c'est pas les langues là. Tu parles de quoi et quoi? Niger, de quoi et quoi? Le monde! C'est pas les langues là. Une seule langue qui va parler là-bas chez lui. D'accord. C'est ça. Je suis là pour les parler. Donc, merci le monde. Elle me dit stop parce que je parle avec quelqu'un qui est là. Mais vous ne regardez pas, mais il est là. Elle m'a dit stop. Donc maintenant, j'ai arrêté. Elle me dit seulement finition des hommes qui vont mourir à bientôt. Voilà. C'est ça le message aujourd'hui. Allez!